afin de restreindre le protestant. C'est les masques, la musique, puis le fait qu'on ne peut même pas tout ce bord-là de la sidewalk, que tout le monde s'est écouté. Ça passe. Normalement, on laisse le trottoir libre pour passer. Sauf qu'on était obligé de se mettre sur un seul côté du trottoir. Même si on ne bloque pas la circulation, quand on est sur ce côté-là, et dans le fond, on n'avait pas le droit de le faire. Je ne sais pas si... s'il y a les lois municipales nous restreignent vraiment de ça. Je sais pas, c'est... Est-ce que tu penses que l'abus des policiers? Ouais, peut-être un peu, parce que tous les autres mois, on n'a jamais eu ce genre de problème-là. Puis comme par hasard, on a ces problèmes-là actuellement. Je sais que la cellule de Québec a contacté l'officier de police à Québec. Les lois municipales ne restreignent pas les masques, ils ne restreignent pas la circulation. Ben, empêcher les personnes de marcher sur le trottoir, c'est normal, c'est de bloquer la circulation. Puis je sais qu'à Québec, en ce moment, ils sont censés avoir le droit de mettre la musique. Ici, ça a été comme... vous avez juste le droit d'être sur un côté du trottoir, vous avez juste le droit de porter quelque chose pour vous couvrir un peu le visage. Sauf qu'en même temps, en nous enlevant le masque de Guy Fawkes, ça nous enlève notre symbole. Parce que là, personnellement, j'ai plus l'impression de passer comme un terroriste dans la rue avec mon bandana sur le visage. Puis c'est comme... c'est comme nous enlever notre symbole de manifestation. Parce que normalement, quand quelqu'un voit le Guy Fawkes masque, il voit que c'est nous autres. Tandis que là, on est genre... soit les personnes-là ressemblent à des psychiatres malades ou je sais pas quoi, avec leur masque de médecin. Ça nous empêche un peu de s'exprimer. Puis c'est l'affaire qui est drôle, c'est vraiment juste le fait que le seul masque qu'on n'a pas le droit de porter, c'est le Guy Fawkes masque. Ils ont dit que n'importe quel autre masque... Ouais, n'importe quel autre masque, on aurait le droit, sauf le Guy Fawkes masque. Pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment une loi genre qui dit « Vous n'avez pas le droit de porter le Guy Fawkes masque dans les lois municipales? » Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'avais envie de reporter mon masque et me faire arrêter pour porter un Guy Fawkes masque. Ça serait assez étrange. Ça serait pas super utile. Ça serait pas utile. Non, mais... on peut griller la police à dos en plus. Ouais, non, c'est sûr, mais quand même, juste savoir pourquoi. Parce que là, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. C'est pour la prochaine manif. Vous allez parler aux polices pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, ça, c'est sûr qu'on va, discuter avec la police, puis on va essayer de mettre ça clair. Qu'on veut pouvoir, dans le fond, la musique, les masques, ça va tout être clarifié. Si possible, on aurait ça sur papier, j'imagine. Comme ça, peu importe ce qui va arriver, on devrait avoir tous nos droits sur papier. Pas vraiment... On va essayer, dans le fond, de s'éviter la plupart des problèmes parce que c'est comme on a eu des problèmes à l'autre église. Là, on en a ici aussi. Pourtant, on contacte la police. C'est bizarre un peu. C'est plate. Ouais. Ouais, clairement. Ah, si. On a un autre symbole, là. Ouais.